Good morning, Ale Iden. L'étude sera aujourd'hui les Elohim Nishmat Yaakov ben Aisha et les Refouat Arab Yosef Chaim ben Emma Simcha. Et nous étudions Baba Metzia, Perek Bet Mishnah Gimel. Matza Achar Agapa, O Achar Agader, Gozalot Mekusharim, O Bishvilin Shabasadot, Arezel Lo Igabren. Matza Kli Beashpa, Im Mechuse, Lo Igabo, Im Megule, Notelo Machriz. Matza Bagal, Ove Kotel Yashaan. הרי אלו שלו, מצא בכותל חדש, מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. אם היה מזכירו לאחרים, אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו. Notre Mishnah va parler de lieux différents où on trouve une metzia, et selon le cas, on pourra soit l'acquérir pour soi-même, ou soit il faudra au contraire diffuser, publier le fait qu'on a trouvé une metzia, ou encore un autre cas qui va arriver dans les deux premiers cas de la Mishnah, en fait, une autre situation, une autre halakha, ne rien faire, laisser la chose telle qu'elle. On commence avec la première partie de la Mishnah. Matza, achar, agapa, ou achar, agader. Gapa et gader, ce sont des barrières, palissades. Gapa, c'est plutôt une palissade en bois, et gader, c'est un petit muret construit en pierre. Et donc, matza, il a trouvé derrière cette petite palissade, cette petite barrière, il a trouvé là-bas des gozalot mekusharim, des oisillons, des volailles mekusharim qui sont attachés deux par deux. Ou encore, au Beshvilin Shebasadot, où il a trouvé encore ces deux oisillons, où ça ? Beshvilin Shebasadot, dans des petits chemins, des petits sentiers, à l'intérieur des champs. Arei ze loiga ba'en, la Mishnah nous dit, quand tu vois une situation pareille, tu laisses, tu ne touches pas, tu le laisses. De quoi parle-t-on? D'abord, une petite notion, une petite culture. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur. Donc, pour pouvoir avoir de la viande fraîche qui ne pourrissait pas, c'était fréquent d'acheter des petits poulets vivants. Et juste avant de les manger, on les égorgeait, on les salait et on les faisait ensuite, on les faisait cuire. D'accord? Donc, c'était fréquent d'acheter ce qu'on appelait ici dans la Mishnah, des gozalot mekusharim, des petits oisillons qui étaient rattachés. On les rattachait alors. Des fois, on voulait les acheter deux par deux. Et donc, on achetait une paire d'oisillons et on les attachait par leurs ailes. Il y avait une manière spéciale de les attacher. Donc, par les ailes, de manière à ce qu'ils ne vont plus s'envoler. Et voilà. Concrètement, précision importante, il n'y a pas de siman dans la manière de l'attacher. Tout le monde l'attache de la même manière. Donc, je ne peux pas distinguer les oisillons que j'ai achetés par le fait qu'ils sont attachés de telle manière ou de telle manière, parce que tout le monde les attache de la même manière. Maintenant, on explique un peu mieux notre Mishnah. De quoi on parle? On parle en réalité. D'abord, le principe est très simple. Ça va apparaître dans les deux premiers cas de la Mishnah. Le cas des oisillons et ensuite le cas de l'objet qu'on trouve dans la poubelle, dans la déchetterie. La même notion. Ouais. Un cas où d'un objet où on constate qu'il a été posé consciemment, mais cet objet n'a pas de siman, et donc de ce fait, puisqu'il a été posé consciemment, c'est sûr qu'il a un propriétaire. En théorie, il serait plus prudent de le prendre et de publier, parce que peut-être qu'il y a un voleur qui risque de venir le voler. Mais le problème est que si tu viens, tu veux aider la personne à ne pas perdre son argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le prendre. Et une fois que tu vas le prendre chez toi, plus personne ne va pouvoir venir dire qu'il m'appartient parce qu'il a tel signe distinctif ou non, parce qu'il n'a pas de siman. Donc en fait, l'instruction de la Mishnah va être de nous dire, ben laisse, ne touche pas. Si tu veux faire du bien avec le propriétaire, ne le touche surtout pas. Même s'il risque de disparaître, de se faire voler, de s'en aller, parce qu'on parle ici de petits oisillons qui réussissent quand même à dandiner tant bien que mal, et à partir, il est possible que quelqu'un va venir, va les prendre. Donc en théorie, tu aurais une mise à de Hachavat Aveda, prends-les et publie. Le problème est que tu ne pourras pas les publier. Personne ne va pouvoir venir dire et reconnaître ces oisillons. Donc on te dit, la Mishnah te dit, tu sais quoi, laisse-les. Cours le risque que le propriétaire les perde. Et puis au moins, il y a une chance que le propriétaire les récupère. Donc on fait ça encore une fois dans les mots. Matza achar agapa ou achar agader. Oh, bejvinin shebesadot. Je saute un petit peu des mots parce qu'il y a un petit problème dans l'organisation des mots de la Mishnah. Il y a un Tiferet Israël qui rallonge beaucoup pour expliquer et déduire peut-être des halakhot de ça. Mais en tout cas, concrètement, l'idée, elle est là. Il a trouvé derrière un gapa, donc une petite barrière, ouais, ou achar agader, encore un petit muret construit en pierre cette fois-ci,
ou donc une palissade ou un muret, au Béchvilin chez Bassadot, ou encore dans un petit sentier à l'intérieur d'un champ, il a trouvé quoi? Il a trouvé des gozalot mekusharim, des oisillons attachés. La Mishnah nous dit, Arezeloïga Baen, ne les touche surtout pas. Et je vous répète de nouveau, alors maintenant, on va apporter encore des précisions supplémentaires. Si l'endroit est bien surveillé, d'abord, premièrement, première instruction élémentaire. Lorsque l'endroit est bien surveillé, ouais, il n'y a pas de risque que l'objet va s'en aller, alors on ne touche pas. Pourquoi on ne touche pas? Parce qu'il y a un propriétaire qui les a posés. Tu ne veux pas être, toi, plus prudent que ce que lui a été prudent. Si moi, je n'ai pas de problème de rentrer dans un toilette public et de laisser un livre posé ici, d'accord? Je laisse un livre posé comme ça sur la porte dehors. Ne va pas, toi, être le grand sadique qui va partir le prendre et qui va mettre des affiches dans toute la ville et j'ai trouvé un livre. Deux minutes. S'il a été posé consciemment par son propriétaire et il n'y a pas de risque qu'il y ait un voleur qui va venir le prendre, alors tu ne touches pas, tu laisses. Ça, c'est le premier cas extrême. Donc ça, la Mishnah n'en parle même pas d'un cas pareil. L'autre cas extrême, je vous le parle, c'est la conclusion de la Gemara d'après tout ce que je me donne. L'autre cas extrême maintenant, c'est le cas où il le laisse en pleine voie publique, où c'est à coup sûr, ouais, un pourcentage important des cas, où il va y avoir il va pas retrouver son objet. Il va se faire voler, il va se faire piétiner par un cheval qui va venir, qui va écraser le pauvre petit poulet. Ouais, peu importe, c'est sûr qu'il va pas le retrouver. Dans ce cas-là, une telle Aveda, je n'ai même pas besoin de m'en occuper, même s'il y a un signe. Parce que moi, j'ai pas besoin d'être derrière toi et de sauver ton argent là où toi, t'as laissé ton argent partir à la dérive. Si c'est sûr que c'est toi qui l'as posé. Donc notre Mishnah, en fait, elle nous parle d'un cas où c'est un petit peu surveillé, mais pas assez bien. Il l'a camouflé sur le bas-côté. Mais d'un autre côté, on remarque que les oisillons, ils sont en train de commencer à s'en aller un petit peu, à bouger. Et si le propriétaire traînait, ou si finalement, après être sorti de l'aide, il a oublié qu'il avait ses oisillons, il a continué sa route, et qu'il espère revenir dans une heure, c'est sûr qu'il ne retrouvera plus ses poulets. En théorie, si un siman, je le prends et je publie, là, puisque notre Mishnah nous dit qu'il n'y a pas de siman, alors on te dit, tu sais quoi, la meilleure des choses que tu peux faire, c'est de le laisser à sa place, ne touche surtout pas, comme ça au moins le propriétaire, si toi il revient dans la prochaine heure, au moins il retrouvera ses oisillons. Si tu as quand même envie de les acquérir, ses oisillons, alors c'est plus écrit ici, mais en tout cas ça s'est vu la Gemara. Reste à côté, patiente, sois certain que le propriétaire ne reviendra pas les chercher, puisqu'il n'y a pas de siman, tu peux ensuite conclure que le propriétaire les a oubliés et que c'est sûr qu'il a été mitiaesh à partir du moment où il a réalisé son erreur. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Je ne suis pas capable de donner un temps exact, combien de temps ça prendrait, tout est relatif, d'accord? Selon le cas, si on suppose, je ne sais pas, je ne préfère pas m'engager dans des halakhot concrètes. Mon but c'est d'enseigner la Mishnah, pas de la halakha. Ensuite on continue avec la suite de la Mishnah. Matzak li be'ashpa, im mechuse, lo igabo, im megule, notel ou machriz. D'accord. On parle d'un cas où, d'abord, c'est quoi une ashpa? On traduit une ashpa à notre époque, en hébreu moderne, c'est une poubelle. En réalité, elle n'était pas à l'époque, c'était plus une sorte de déchetterie, un endroit où on envoyait tous les restes de la maison. Il n'y avait bien sûr pas les éboueurs qui venaient fréquemment, même pas du tout, peut-être ça arrivait une fois, deux fois par an. Et c'était du coup un endroit assez éloigné des maisons, où on jetait là-bas toutes sortes de restes, on les laissait pourrir, et aussi les gens aussi partaient faire leurs besoins là-bas. D'accord? Il n'y avait pas de toilette à la maison. Donc ils partaient faire leurs besoins, ça c'était une ashpa. Et donc, de ce fait, regardez ce qui s'est passé. Quand il est parti à la poubelle, il a découvert là-bas qu'il y avait dans un trou d'un mur, il y avait là-bas, peu importe, ça peut être une chaîne en or, ça peut être un bijou, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Alors la Mishnah nous dit, regarde, « Im mechusé lo igabo » Si l'objet, il est mechusé, il est couvert, camouflé, donc toi, par pur hasard, pour x ou y raison, t'es parti, tu t'es approché dans un mur, et puis t'as commencé à fouiner, t'as vu là-bas, il y avait une chaîne en or, la Mishnah te dit, laisse-le, ne le touche pas. Pour quelle raison? Même si un siman, cette fois-ci, il me semble, je ne l'ai pas vu écrit, mais je pense que c'est logique comme ça, même si un siman ne touche à rien, ça rejoint la qu'on a rapportée précédemment. Ouais, c'est ça, c'est Mefourash dans le Tiferet Israël. Et Mechusé, même si un signe distinctif, dans la mesure où ça a été posé consciemment, ben laisse son propriétaire va revenir, et va le récupérer. D'accord? Pourquoi tu peux toi venir le toucher? Il est bien camouflé, c'est sûr que c'est un des voisins que lui-même est venu
au petit coin, ici, et il ne voulait pas garder ça sur lui, il l'a posé, après il a voulu venir le récupérer, d'ici quelques jours, c'est sûr qu'il reviendra le récupérer, donc ne touche pas. Donc même si un siman, tu ne touches pas parce que ça a été posé consciemment. Par contre, immégoulé, notalom achriz. S'il le voit maintenant posé, vous trouvez dans une benne, vous trouvez là-bas un objet, c'est sûr qu'il a été jeté par erreur, alors dans ce cas-là, notalom achriz, il faudra bien sûr le récupérer et publier, puisqu'il y a un siman. D'accord ? Donc il faudra publier, c'est logique, ça a pu arriver ici par mille raisons. On ne va pas se dire directement que le propriétaire a voulu à l'époque, ouais, on n'était pas à l'époque du jetable, où on a tout qui se jette. C'était un objet qui n'était pas censé se retrouver dans une poubelle. Il s'est malgré tout retrouvé dans une poubelle. Alors comprends que c'est quand il est venu, il a secoué sa nappe dans la poubelle par exemple. Il a laissé là-bas tomber une petite cuillère, un petit couteau. Donc, notez le machriz. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah maintenant, alors, on le fait d'abord dans les mots. Matza begal ou bekotel yashan arei elu shelo. C'est trouver un objet dans un gal. Gal, ça peut se traduire par une vague, mais c'est pas du tout le cas ici. Ici, on parle d'un monticule un mur qui s'est effondré, et donc il y a eu toutes les pierres qui étaient empilées l'une sur l'autre, comme ça, qui étaient effondrées. D'accord ? Un tas de pierres, en fait, un tas de pierres. Ou vekotel yashan. Ou encore, il a trouvé un objet dans un kotel yashan. Comment ça se passe ? À l'époque, on utilisait fréquemment ça va être rapporté encore plus juste dans la suite de la Mishnah. On utilisait fréquemment, il y avait dans la manière de construire les murs pour économiser les pierres, je suppose, on avait une tendance à écarter un peu les pierres, comme ça nous permettait d'avoir un petit peu, d'utiliser moins de pierres. Disons, vous avez une rangée de 3 mètres à remplir. Si vous collez les pierres, il va vous falloir 20 pierres pour faire une rangée. Si vous les espacez un peu, vous allez économiser une pierre. Ça, c'était pour une rangée. Sur un mur, c'est conséquent. Donc, c'était une technique. D'accord ? On mettait là-bas un petit peu de mortier, tout ça. Donc, il s'avérait que dans les murs, il y avait là-bas des pierres. Et entre les pierres, il y avait fréquemment de la place pour cacher, camoufler des choses dedans. Les petits papiers du cotel, c'est le même principe. Donc, il y avait des là-bas de la pierre, donc assez d'espace pour pouvoir rentrer et cacher là-bas des objets. Et la Mishnah va nous dire, si tu trouves un objet dans un kotel yashan, dans un très vieux mur, on va expliquer tout de suite c'est quoi, mais en tout cas, areelu shelo, tu pourras les prendre pour toi. Par contre, si c'est matzah be kotel chadash, si tu les trouves dans un kotel, dans un mur qui a été construit récemment, nechetzio velachutz shelo, si l'objet que tu trouves, il est dans la partie externe, du milieu jusqu'à la partie externe, tu pourras le prendre pour toi. Par contre, mechetzio velifnim, shel baal habayit. Si par contre, tu dois rentrer ta main trop profondément, ouais, supposons que c'était un mur qui faisait là-bas, la Gemara rapporte dans Baba Batra, des murs qui faisaient une épaisseur de 6 tfachim, donc ça fait l'équivalent de 60 cm. Ouais, c'était des murs. Et donc, de 30 cm jusqu'à la face externe, donc c'est à toi, tu pourras les prendre. Par contre, si tu dois rentrer ta main plus profondément et tu réalises qu'en fait, l'objet, il est posé en direction de la face, c'est-à-dire dans la face interne, de la moitié jusqu'à la face interne du mur, alors dans ce cas-là, tu ne pourras pas les prendre parce que dans ce cas-là, on va supposer qu'ils appartiennent à son propriétaire, le propriétaire de la maison à qui appartient le mur, donc ce mur qui sépare sa maison du rejet de Rabim, l'objet lui appartient, c'est lui qui l'a posé là-bas. On s'explique d'abord. On va prendre le cas le plus simple, Matzah Begal. Il y a eu un mur qui s'est effondré. Et quand le mur s'est effondré, on a là-bas découvert tout simplement un trésor. Pourquoi partir chercher plus loin? On a découvert là-bas qu'il y avait un propriétaire antique qui a là-bas camouflé tous les bijoux de sa femme. Et donc c'est un mur yashan, pour le moment on est encore dans un gal, donc c'est un mur qui s'est effondré. C'est sûr que ce n'est pas le propriétaire du mur qui l'a camouflé. Et d'où la question, à qui appartient ce trésor? Je suppose que vous allez être étonné, mais ça se démontre très facilement d'un point de vue halakhique. Ça n'appartient pas au propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison n'avait pas connaissance du tout de ce trésor. Et c'est l'idée qui est ensuite véhiculée avec le kotel yashan. On sait pertinemment que ce n'est pas lui qui a construit ce mur, c'est pas lui qui a fait ses fondations. La maison, elle existe comme ça depuis toujours. Si ça se trouve, ouais,
il a acheté, il a acquis d'un goy. La Gemara le dit explicitement. On parlait là-bas des maisons qui étaient en Eretz Israël. Et en fait, c'était les Emorim qui habitaient en Eretz Israël. Quand le Yoshua Binoun est entré en Eretz Israël et qu'il a conquis la terre d'Israël pour le Béni Israël, donc, il y avait là-bas les maisons. Ils ont laissé des maisons telles quelles. Si après 400 ans même, un mur s'effondre et là-bas on découvre un trésor, une chose de sûre, ce n'est pas ni le propriétaire de la maison, ni son père, ni son grand-père, ni son aïeul qui a construit ce mur. On sait que le mur il a été construit depuis avant, quand il appartenait encore à un goy. Alors sur ça, c'est simple. Ça a appartenu au goy, certes. Le goy, depuis, il a quitté ce monde. Ses héritiers n'en prennent pas possession parce que ça ne leur appartient pas. Le père, d'accord, ça n'a pas été transmis, il n'y avait plus de Shlita. Donc il y a eu une sorte de... Même si c'est une Aveda, on ne doit pas rendre une Aveda à un goy, on l'a déjà appris. Donc ça appartient pas au goy. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'éventuellement ça appartient au propriétaire. Alors sur ça, on a une règle. Pour que ça appartienne au propriétaire de la maison, donc au juif, à l'arrière-grand-père du propriétaire actuel, il aurait fallu qu'il fasse un maasé kinyan. Il ne peut pas faire un kinyan. Il ne savait même pas qu'il avait ce trésor chez lui. Il ne peut pas faire non plus un kinyan chatser. Il y a une notion qu'on avait rapportée dans le Perek Rishon, la notion de kinyan chatser, d'acquérir par l'intermédiaire de son bien immobilier. Même mobilier en réalité, mais en tout cas, par sa propriété. Ma propriété peut acquérir. Mais sur ça, c'est qu'à condition que je sache, ou au moins quelque chose que je suis censé découvrir avant tout le monde. Mais quelque chose que je ne vais pas le découvrir. Et si ça se trouve, je vais vendre ma maison à quelqu'un d'autre et je ne vais toujours pas le découvrir et c'est lui qui va l'obtenir jusqu'à ce que dans 300 ans, il va refaire surface au trésor. Alors, il ne peut pas. Et alors, il n'y a pas de Kinyan Khatser. D'accord? Ça va rapporter dans Tosot, ça va rapporter dans la Lacha, ça va rapporter ici dans le Tosot Yom Tov. L'idée est claire, donc il n'y a pas de Kinyan Khatser. De ce fait, le trésor, il appartient à personne. Le premier qui le voit vient et le saisit et il l'acquiert. C'était clair? La même chose, en fait, c'est le même principe avec le Kotel Yasham. Kotel Yashan, c'est pas assez précisé, je comprends que c'est un nouveau cas malgré tout, attendez une petite seconde. C'est la même. Le mur, qu'il se soit effondré ou qu'il se soit pas effondré, une chose de sûre, c'est qu'aujourd'hui, on réussit à fouiner entre les pierres et à découvrir quelque chose de tout nouveau que personne n'a mis la main dessus. On sort de là-bas quelque chose où on remarque que c'est très vieux, ça a pris la poussière bien profondément. S'il y avait un peu de métal, de fer, ça a rouillé. Donc on constate que c'est une très vieille histoire, ces bijoux camouflés dans le mur, ça appartient à personne de fréquent. De ce fait, Arielu Shelo, ça t'appartient. Donc même s'ils étaient vraiment dans la partie de la propriété du propriétaire. Donc, d'accord? Ça c'était clair. Et on continue avec la suite de la Mishnah maintenant. C'est quoi un Kotel Hadash? Un Kotel Hadash, c'est un mur saïd, nouveau, si on traduit littéralement, récent. Ça implique en fait, où on sait pertinemment, que ce mur a été construit quand il était dans la propriété de ce propriétaire, ou au pire de son aïeul, et qu'il a hérité de génération en génération. Donc maintenant, puisqu'il est probable qu'il appartienne au propriétaire, donc en fait, entre qui on a le doute? On a le doute, est-ce que c'est le propriétaire qui a mis ses bijoux à l'intérieur de ce mur, et donc il lui appartient à lui, ou est-ce que c'est une personne de l'extérieur, du Rishut Arabim, qui est venu, qui a mis ses bijoux? Et puis, on constate que ça veut dire plusieurs jours, ou même plusieurs semaines, qu'ils ont été oubliés. Ça se voit tout de suite, on remarque que c'est terni, c'est un peu sablé, d'accord? Et donc maintenant, forcément, c'est une personne externe qui est venue, qui les a mis, et qui les a plus retrouvés, puisqu'il n'est pas revenu les chercher. Et donc, il y a eu forcément Yehush. Il s'est désespéré de ne plus les retrouver, il ne sait plus où il les a mises. Et puisque personne ne les a acquis, je viens et je les acquiers, puisqu'il y a Yehush, donc Arielu Shelo. Et comment va-t-on savoir? Est-ce que c'est le propriétaire qui les a? Est-ce que c'est le propriétaire qui les a mis? Ou est-ce que c'est une personne externe, une tierce personne qui est venue qui les a mis dans le mur? Alors la Mishnah nous enseigne tout simplement. Regarde où il se trouve exactement. S'il est dans la partie interne du mur, Mechetsiov et Lifnim, ça appartient au propriétaire. S'il est Mechetsiov et Lachout, dans la partie externe, depuis le milieu jusqu'à la partie externe, ça appartient à une tierce personne qui a fait Yehush, donc il s'est désespéré de venir le récupérer. De ce fait, je pourrais le prendre pour moi-même. Voilà pour la Mishnah, précision importante qui sera apportée dans le Bar Tanora. Un cas particulier, le cas d'une bourse, ou le cas de tout objet, tout portefeuille, où ils ont fait une ouverture. Cette fois-ci, on ne regardera plus où se trouve géographiquement
l'objet, la bourse, donc est-ce qu'elle est dans la partie interne ou dans la partie externe. Mais on s'intéressera plutôt à voir où se trouve l'ouverture de la bourse, d'accord, par où on rentre les doigts pour retirer l'argent. Et si elle a juste, elle se fait que d'un côté, donc on regardera si c'est dans la partie interne, c'est que c'est sûr, c'est le propriétaire qui l'a mise là-bas. Et donc on lui rendra même si c'est dans la partie externe, d'accord. Ensuite, dernier cas de la Mishnah, quatrième cas. Imaya maskiro la acherim afilo betoch habayit arei elu shelo. D'abord on traduit. S'il avait une maison qu'il louait à des autres personnes, afilo betoch habayit, même s'il trouve la trouvaille à l'intérieur de la maison, arei elu shelo, ça lui appartient. On illustre. On parle d'un cas où j'ai loué ma maison. Et ensuite, les locataires sortent, je reviens à la maison, et je trouve là-bas des objets. Ils m'appartiennent. Voilà ce que la Mishnah nous dit. Or, c'est pas compréhensible. Si c'est le cas, ça appartient à la personne qui vient de quitter la maison. Donc il faut déjà un petit peu améliorer le cas. Il faut expliquer en fait que j'ai loué ma maison à Réhouven. Et ensuite, Réhouven, il est sorti, et Shimon, il est rentré. Dans ce cas-là, je suis toujours pas venu voir ce qui se passe dans la maison. Shimon, il est rentré, j'ai un hôtel en fait. Tous les jours, j'ai loué Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Issachar, Zebulon. Et au bout de 10 jours, je récupère ma maison et là-bas, je découvre, sous le meuble, un billet de 100 shekels. Donc, chou, de nouveau, ça, la Mishnah nous dit que ça m'appartient. Mais c'est toujours pas le cas. Parce que là, il y a une halakha bien claire. Olchim, Zil Batar Batra, Olchim Achar Acharon, on va d'après le dernier qui est sorti. On considère que chaque personne qui quitte les lieux, fait le tour de toute la maison, une fois qu'il a mis toute la valise dehors, il fait le tour de toute la maison, il vérifie qu'il n'a rien oublié, seulement après il sort. De ce fait, on va supposer que le billet appartiendra à autre, au dernier propriétaire. Donc on n'a toujours pas trouvé le cas de la Mishnah. En réalité, la Mishnah, elle nous dit, elle parle d'un autre cas encore, on parle d'un cas où j'ai loué à des personnes, à plusieurs personnes en même temps, la même maison, et il y a plusieurs cas de figure, mais on peut prendre un cas par exemple où il y avait au moins deux goïm en même temps que lui. Donc ça devient comme un makom shesh borabim, puisqu'il y a déjà deux goyim, c'est makom shesh borabim et des goyim, donc rov goyim, on avait déjà rapporté, celui qui perd, la Mishnah d'hier, il me semble, celui qui perd un objet sur une voie publique où il y a là-bas des goyim qui y passent, même si ça appartenait à un juif, il n'y a plus de mitzvah Shabbat Aveda, parce que c'est sûr qu'elle était mitiesh. Étant donné que les goyim ne font pas la mitzvah de restituer les pertes, même si parfois on tombe sur des bons goyim, c'est pas la question. Mais de manière générale, le commun des goyim n'a pas cette mitzvah, donc n'a pas lieu d'en faire plus que ce qu'il faut. Il a de l'argent par terre, il n'y a aucune raison qu'il ne le prenne pas. C'est sa manière de réfléchir. De ce fait, quand on perd quelque chose ou dans un endroit où il y a des goyim, alors on fait forcément le yéhouch, on désespère de le retrouver. De ce fait, on ouvre la porte pour celui qui vient et qui le trouve, qui pourra l'acquérir pour lui. Et on a fini la Mishnah. On fait à présent le Barthénois. Très rapidement, Bezrat Hashem. On en était là. Achar agapa, on revient sur le premier cas des oisillons, des volailles derrière, la gapa ou le gader. C'est quoi agapa? Stimat kotel, shel etz o shel kanim. Dès qu'on va faire une petite palissade, fermer un mur avec du bois ou avec des canim, des roseaux. Gader shel avanim, un muret en pierre. Gozalot mekusharim. Des gozalot mekusharim, c'est des oiseaux rattachés, biknafeem, par leurs ailes. Tout le monde les attache de la même manière, avec Kacher Kazelo Avesiman, donc la manière de l'attacher n'est pas un siman. Loïgaben, la Mishnah nous disait, ne les touche pas. Damrinan anei inish atzneinhu. Parce qu'on va dire que ces oisillons, c'est quelqu'un qui est venu qui les a cachés, camouflés. Il sait où est-ce qu'ils sont. Veishakil lehu, et s'il va les prendre, l'autre, ce chassid choté, puisqu'il va faire une bêtise. Le propriétaire n'aura même plus de siman à proposer pour pouvoir les récupérer. Il car, pour de ce fait, les shavkinhu ad deatem arayu, veshakil lehu, laisse-les à leur place, jusqu'à ce que son propriétaire va venir et va les récupérer de lui-même. Ne te mêle pas. Mais chousse loigabo, on parle maintenant du cas de l'objet qu'il trouve dans la déchetterie, dans la poubelle. Mais chousse loigabo, s'il est couvert qu'il ne le touche pas, de enza aveda sheyehe muzar alea. Car ce n'est pas un objet perdu,
sur lequel il a le issour de l'otuchal leitalem, que tu n'as pas le droit de passer à côté d'une trouvaille sans la lever pour plaisir à la restituer. Non, là il n'y a aucun. Pourquoi ? Des mishtameru, parce que l'endroit il est bien gardé, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Et voilà, ensuite on était dans la suite. Matza begal obekotel yashan, areinu shalot. Donc on avait dit c'est la trouver dans un tas de pierres tombées dans un mur effondré, ou encore dans un vieux mur. Il a réussi à mettre là-bas dans un trou et de sortir quelque chose de très antique. Arel ou Shelo, ça lui appartiendra à celui qui le trouve, pourra le garder pour lui. Parce qu'il pourra dire au propriétaire des pierres, au coup du mur, Shalamorim, Shorishu Avotenuaya. Tu crois que ça t'appartient? Ça appartient hein, à Mustapha, le Emori qui habitait là, à l'époque où Yoshua bin Nun est rentré en Eretz Israël et qu'il a acquis. Comment tu veux prononcer ça? Mustapha, c'était pas Mustapha à l'époque, c'était des Emorim. Mustapha, ils sont venus après. Ouais. Qu'on fasse pas d'erreur historique, ça peut nous coûter cher. Ubilvad sheyehe bo chaluda rabba shenikar shemizman harbe ayatamun sham. Attention, précision importante, à condition aussi de constater qu'il y a de la chaluda rabba, il y a de la rouille, on sent que c'est vieux. Shenikar, qu'on reconnaît, que shemizman harbe ayatamun sham, que ça fait déjà très longtemps qu'il était caché là-bas. Mais chetzio velachutz, la Mishnah continue et nous dit, sur la partie externe, donc de la moitié jusqu'à la partie externe, Be'echad mechovre kotel, asmochim l'Rshut Arabim. Si c'était un des trous qui était proche du Rshut Arabim, de la voie publique, im metza mechetzio ovio shel kotel velachut, c'est la trouvée depuis la moitié du mur jusqu'à dans la face externe, shelo, ça lui appartiendra. Pourquoi? Damrinan, echad mebne Rshut Arabim, netanosham veshachach. Une personne du Rshut Arabim qui était partie, qui était en train de marcher dans la voie publique, netanosham, il a mis là-bas, veshachach, il a oublié. וחלודה שעליו, la rouille qui est dessus, מוכחת שמזמן הרבה היה שם, ובוודאי נתייאשו הבעלים. Et donc, le fait que maintenant il y ait de la rouille dessus nous prouve qu'il a été oublié depuis longtemps, et forcément le propriétaire s'est désespéré de les retrouver. Petite précision quand même. Il faut attendre, il faut s'assurer que ça fait longtemps uniquement parce que c'était dans un endroit qui était surveillé. Quand on trouve quelque chose dans la rue, on a le droit de le ramasser tout de suite. Parce que de manière générale, soit c'est de l'argent et les gens tapotent constamment leur poche pour vérifier qu'ils ont toujours leur argent, soit c'est un objet lourd, donc il a forcément senti qu'il lui tombait des bras. Supposons qu'il avait un sac de pommes de terre, il portait un sac de pommes de terre, et il en a fait tomber sur la route, il n'a pas réalisé. C'est sûr qu'au bout de peu de temps, 2-3 minutes, il va réaliser qu'il a moins de poids sur le dos, et donc forcément il va être mitiège, donc on pourra déjà les acquérir. D'accord ? Mais là spécifiquement, on demande d'attendre, de s'assurer que ça fait longtemps que cet argent ou que ces objets ont été posés, parce que le propriétaire des objets les a posés dans un endroit plus ou moins gardé. C'était un trou dans le mur de Rshut Arabim, mais il a pensé les camoufler en tout cas. Vedin zedavka belashon za'av vechatichat kesef vechayotze vaze. Tout cet halakha ne s'applique que sur un lashon za'av, une sorte de un bout d'argent ou d'or. Je ne sais pas s'il faut dire un lingot ou à l'état brut. Aval imayakli. Par contre, si c'est un ustensile ou betochomaot, et il y avait dedans des pièces. Im pi, c'est le cas donc de la bourse qu'on a rapportée. Im piyakli lachutz arelu shelo. Si l'ouverture de la bourse est vers l'extérieur, ça lui appartiendra. Im piyakli lifnim arelu shel balabait. Par contre, si l'ouverture de la bourse est vers la face interne, même si la bourse géographiquement se trouve plus dans la partie externe du mur, malgré tout, ça appartiendra au balabait. Afilu betoch habayit arelu shelo, maintenant c'est le dernier cas de celui qui loue sa maison. Bartanoura n'a pas rallongé pour expliquer ce que je vous ai dit, c'est la Gemara, et c'est ensuite rapporté dans le Tosot Yom Tov ici. Le cas où on parle qu'en réalité il y avait plusieurs personnes qui étaient en même temps dans la maison et qu'il y avait au moins deux goyim, c'est pas ramené dans le Bartanoura. De lo yada de maninhu ou be'alav nuashu. Le Bartanoura nous dit uniquement, tu sais pourquoi ça t'appartient? Parce que tu ne sais pas à quel locataire ça a appartenu, et chacun est mitiaesh, chacun se désespère de le trouver, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, rendez-vous demain, kol tov, c'est là.